Ça fait 22 ans, 22 putains d'années que tu nous as oubliés. Puis j'en ai marre, putain, j'en ai plein de cul, tu vois. Moi, c'est le hasard qui a dirigé ma vie. Mais le hasard, tu sais toi ce que c'est le hasard, hein? Mais non, tu sais pourquoi tu sais pas? Parce que toi, t'en as rien à foutre, toi. Toi, tu penses qu'à tes putains de chaussures, tes putains de voitures, tes putains de chemises de merde. Ah, mais ta voiture et ton fric, mais je t'emmerde. Parce que moi, durant toute ma vie, hein, tu sais, j'ai fait de foyer en foyer. Tu sais ce que c'est au moins de pas connaître sa famille, d'aller de famille en famille au hasard. On m'a tellement trimballé de partout, j'en ai encore un mal à mes putains de pieds. Tu comprends ça? Ça fait 22 ans, 22 putains d'années que je suis dans l'incertitude, moi. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as abandonné? Tu vois, là, c'est parfait, on a 15 minutes d'avance. Toujours être en avance, Sébastien. Sébastien, tiens. Nicolas. Ah, excuse-moi, je fais que te confondre avec mon ancien stagiaire. Bon, alors, toi, c'est ton premier stage? Ouais, là, c'est la première, là. Madame Poncet, ta responsable, t'as dit qui j'étais? Ouais, monsieur Michaud, de Santo Immobilier, de la meilleure agence sur Paris. D'accord? Ça va être ton baptême du feu. T'as jamais fait une vente en direct? Non, jamais. Voilà, donc là, on va aller voir une vieille personne, hein, qui s'appelle Madame... Madame Villard, j'ai regardé, c'est Madame Villard. Voilà, Madame Villard. Eh, t'as lu le dossier, 72 ans. C'est une vieille qui comprend rien du tout. Je l'ai appelée hier au téléphone, même bonjour, elle comprenait pas. Donc justement, je vais jouer sur ça. Tu comprends? Je vais aller la voir tout à l'heure, tu seras à mes côtés, et je vais lui parler très rapidement, pour qu'elle ne comprenne rien justement. Oui, parce que je comprends pas, c'est parce que moi à l'école, on m'a dit expliquer qu'il fallait que je sois le plus transparent possible avec le client. Mais on s'en fout de l'école. Tu crois que mon entreprise, je l'ai ouverte grâce à l'école? Non. J'ai voulu vendre des appartements, et je les vends parce que... Écoute, c'est très compliqué, mais tu verras sur le terrain, d'accord? Le plus important, n'oublie pas, c'est le sourire. Quand tu souris et t'es cordial, ça marche. Et là, tu peux t'introduire. Fais-moi sourire. Tu vois? Allez, suis-moi. Prends-moi le dossier. Io brutta figura, mezza la gente non la posso fare. Hai capito? Chi è sto stronzo? Ti ammazzo, te lo giuro, ti ammazzo in giro, ti ammazzo. Lasciami toccare ancora una volta, mi tocca a me. Se mi tocchi ancora una volta, ti giuro che... Vieni qua. Je suis au boulot. Je reviens demain matin, je t'apporte tes croissants. Ça marche? J'en peux plus. Ça va mon bébé? Non mais tu t'en vas soi-disant 5 minutes pour aller chercher du pain et tu reviens 4 heures après et en plus sans le pain? J'ai même pas eu le temps de sortir, l'autre il m'a appelé. Je commence à 6h demain matin. J'en peux plus. Tu te fous de ma gueule? Ça va durer combien de temps ce truc là? Mais je travaille pour qui moi? Je travaille pour toi. Je travaille pour tous les deux. Je travaille pour qu'on s'en sorte de ce 5 mètres carrés de merde avec les trous au plafond. Alors le pain... Pas de café. Regarde-moi. Tu me trompes? Tu me vexes, là. Et tu sais ce qui me fait peur? C'est parce que si t'as ça dans ta tête, c'est peut-être toi qui y penses. Parce que moi, tu sais où je suis. Tu sais où me trouver, je suis au boulot. Mais toi, t'es où? Regarde-moi. Pense. Maintenant, je vais me reposer.